Quel bordel! Oh, pourquoi il marche pas ce foutu machin? Oh! Oh putain de putain! Tiens, une nouvelle tête. Tu es qui, toi? Bonjour, je suis Johan. Et tu es diplômé des arts ménagers. Elle est excellente. Je suis musicien. Mais comme à partir du 18 mois, je crie famine, je bosse à côté. Oh, comme il est attendrissant, ce beau garçon. Eh oh, la mère Cougar. Je n'ai pas trop peu d'objectifs, hein. Je donne pas dans le point de croix. Mais il veut s'en prendre une, celui-là. Il est là, pour le grand chef? Il vient de se réveiller. Il prend sa douche. À midi et demi. Eh bien, il fait la grasse mat, il enchaîne les 3-8. Tu pourrais lui dire que son ex-belle-mère souhaite lui parler. Vous êtes son ange Vernon? C'est pas vrai. Oh, la cata! Oh, je suis pas sûr que je peux vous laisser rentrer ici. Non, et on se calme, le gorille. Mais je vois qu'on n'a pas pu ici. Vous n'êtes pas patienté sur le palier, le temps que revient Julien? Oh, mais il fait un froid de canard. Oh, mais je vois que Chéri a refait toute sa déco. Oui, c'est top, hein. Vous aimez? Pas du tout. Oh, mais quelle merde, cet appareil! Il a pas 6 mois. Tu lui as dû lui envoyer des mauvaises ondes. C'est comme avec les femmes. Il faut leur parler avec douceur. Ah oui! Ah, mais c'est peut-être pour ça que je sais pas y faire. Ah, tu es gay? Oh, mais alors avec Julien? Mais, il y a un temps que vous fréquentez? 6 mois. On est tout de suite devenus très proches. Oh, c'est pas possible! Mais on partage plein de choses. On se raconte toutes nos histoires. Mais c'est incroyable. Mais quel choc! On kiffe, hein. Alors, vraiment, on s'éclate quand on sort ensemble. Mais telle métamorphose, mais... T'es beau mec, mais enfin quand même. Vous n'en parlez pas, hein. Julien et moi, on fusionne pas. Il aime les nanas passionnément, hélas. Mais j'ai failli avoir un infarctus. Les autres, je veux bien, mais pas lui. Je suis un bon pote, c'est tout. À vous que tu fantasmes sur lui. Je tire la langue, oui. Moi, je vous le dis, hein. Toujours retourner son lit et jamais l'essayer. Ah, et comme homme de ménage, tu donnes toute satisfaction. Pourquoi? Vous voulez m'embaucher? Je vous préviens, je suis très exigeant sur mes employeurs. Hein. Les chieurs, les maniaques, les pingres, j'en vois pêtre. Hein. Alors non, je crois pas qu'on pourrait s'entendre. Mais moi non plus. Et de toute façon, j'ai déjà quelqu'un qui me donne toute satisfaction. Et au moins, quand elle me regarde, je ne sens pas d'arrière-pensée. On la comprend. Mais qu'est-ce qu'il fait? Écoute, tu peux pas lui dire de s'activer un petit peu, là, hein? Et tu en profiteras pour lui savonner le dos? C'est ça, oui, oui. Et je me ramasse un pain. Bon, toi, le vilain, au placard. Oh, je viens de passer du café. J'en ai marre une tasse. Volontiers. Oh, Johan, tu charries, c'est le chantier dans le dressing. Vous avez vu la bête? Solange? Oh, la chienlit, en 1 minute, j'en finis un peignoir. C'est vraiment pas la peste, c'est pas un problème. Dis donc, j'espère que je te dérange pas trop. Devinez. Madame Hernandez, c'est plus la logeuse. Ah, elle a pris sa retraite. Pendant 2 ans, on a eu Madame Rodriguez, sa nièce. Puis quelques mois, on a Madame de Souza. C'est plus une loge, hein. C'est une succursale de l'ambassade du Portugal. Oh. Dis donc, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 2 ans? Je tiens pas les comptes. Je t'ai observé tout à l'heure, hein. Les plaques de chocolat ont remplacé la brioche, tout en muscle, hein. Chapeau. Alors mon gars, on est heureux de voir belle maman? Quand je pense que tu m'as pas annoncé ce matin que j'avais un super horoscope. Le café de madame est avancé. Merci. Oh, mais il est imbuvable. Immonde. On vous propose un thermos à emporter? J'y arrive jamais. Moi, je suis une vraie quiche. Hein. Mais je capitule pas. Bon, je me tire ou je vais être à la bourre. Ciao!
bien, je vous écoute. Vous êtes venu me trouver pour une raison précise, je suppose. Oh, ben attends. Avant, il faut que je chasse le goût infect de ce café. Oh. Oh. J'avais oublié, vous sortez jamais sans vos munitions. Ah non, mais t'as surtout oublié que je suis la digne descendante d'une illustre famille d'agriculteurs. Mes grands-parents soignaient tout par le raisin. Pépé, c'était Château-Thierry, et Mémé, c'était Château-Margaux. Ah, oh ben moi, c'est Château-Solange, à mauvais cru. 1,99€ à Leader Price. Bon, dis donc, tu fais péter le bouchon? Bah, je ne bois pas, vous savez bien. Oui, le pauvre bol. Mais sais-tu bien quel jour nous sommes? Le 21 décembre. Comment j'aurais pu oublier votre anniversaire? Ils m'ont suffisamment coûté bonbons. Eh bien justement, allez, tu peux rien refuser. Non, et je bois un verre, je suis cassé, je supporte pas l'alcool. Du coup, tu aurais même pas me laisser trinquer toute seule. Hein? Oh, mais je vois que tu as installé le téléphone fixe. Eh bien écoute, c'est pas trop tôt. Hein? Moi, je bosse qu'avec mes portables. Mais ma mère a tellement insisté. J'ai fini par céder tout récemment. Bien, Solange, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ben moi, rien. La petite jouée qui va pas bien. Elle nous fait une grosse déprime. Ah, c'est tout? Non, non, mais c'est sérieux, ça, ça, c'est vraiment... Tu ne verrais pas qu'elle fasse une énorme bêtise? Ouais, et ben l'énorme bêtise, elle l'a faite en quittant un homme comme moi. Oui, non, sans doute. Allez. Santé. Ah, ça fait du bien. Ah, là, tu sais, ma petite Zoé, elle a vraiment décollé. Hein. Elle ne s'alimente plus qu'avec des yaourts. Nature ou fruits? Oh, je t'en prie. Elle a perdu 11 kilos, hein. Et pour tout dire, tiens, elle ne souhaite même plus faire un magasin de Noël. Oh, alors là, vous avez raison, hein. Elle est très perturbée. Hein. Une accro au shopping et à la carte de travail. Non, mais... Il faut vraiment que tu la revoies, vous pouvez remonter le moral. Écoutez, Solange, pour être à l'agonie, je ne bougerai pas le petit doigt, c'est clair? Oh, mais tu es un monstre. Ah, stop, vous semblez oublier qu'elle m'a balancé comme une vieille merde. Alors, elle mange pas, c'est plus ma préoccupation. Hein. Je l'ai définitivement rayée de ma mémoire. Oh, écoute, lapin. La vie t'a vengé. Greg a plaqué mon petit chaton. Ben, eh bien, je comprends mieux le coup de blouse de Zoé. Le type en lui-même, c'est pas une grosse perte, hein. Un tocard, un ringard, une bête de sexe, qui épuisait mon petit ange. Ça, au moins, avec toi, elle pouvait respirer. Ça veut dire quoi exactement, ça? Ça veut dire qu'avec toi, Zoé avait une sexualité normale, équilibrée. Ouais, mais pas plus de 5 fois par jour. 5 fois par jour? Ben nous lâche. Et sais-tu pourquoi ce crétin l'a plaqué? Pour une vieille toquée pleine d'oseille. Elle possède une écurie. Un étalon dans un rat. Bah, logique. Et vous le traitez d'abruti? Prouve au moins qu'il y a le sens des affaires. Oh, mais quel gâchis. Si tu savais comme Zoé a du remords. Hein? Allez, tu nous sers. Et puis on va trinquer à vos retrouvailles. Même si je ne crois pas. À une époque, j'avais envisagé d'ouvrir une boutique Nicolas. Eh oui, et tu y as renoncé parce que t'as eu peur que je prenne pension, saligo, hein. Ah, mais tu t'es oublié. Ah, et vous voulez m'acheter, hein? Non, rien de début, je la tourelle, la vie, je te Ça va pas, je vais être malade. Oh, beaucoup, t'arrêtes tout si noche, là. Oh, dis donc. Il est authentique. Comme moi. Parce que tu sais, la peinture chez moi, c'est une vraie passion. Hein. Alors je ne décolère pas. Samedi prochain, chez Drouot, ils mettent en vente un petit Chagall. Oh, une peinture envoûtante, lumineuse. Mais je n'ai pas un rond. Mais je suis capable de tout pour l'obtenir. Tu m'entends bien? De tout. De tout? De tout quoi? Je ne me fixe aucune limite, lapin. Vous m'inquiétez, là. Je ne suis pas votre lapin. Oh, le juge blanc. Moi, je suis certaine que si tu voulais, tu pourrais m'aider. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive, la mère et la fille, là? C'est quoi cette embrouille, là? Vous me prenez pour un mécène? Une assistante sociale? Les deux à la fois? Oh, mais pourquoi tu t'énerves? Reste saine, allez. Et puis tiens, revois donc ce champagne. C'est un vrai bonheur. Ouais, bah, je suis pas certain qu'il vous réussisse. Tu sais, Zoé et moi, on a suivi toute ta carrière professionnelle, hein.
Le journaliste de radio a pris une sacrée assurance. Est devenu très médiatique, populaire, avec ta nouvelle émission jeu, la tournée ménage. Et ma carrière décolle enfin. Sans doute parce que je suis libéré de toute contrainte. Hein. Merci Zoé de m'avoir balancé. Bah, pourquoi là? Là, je vois pas le rapport, vraiment. Hein. Passé la période de malaise, j'ai tout optimisé. J'ai su rebondir, mais dans tous les domaines, je dois dire. Moi, j'imagine. La jungle. Je sais plus où donner de la... Enfin, je veux dire... Tiens, un jour, j'ai même rencontré la fille de votre amie Clémentine. Vous vous souvenez d'elle? Cette grande gourde? Ah ben, je vois que vous gardez un souvenir ému d'elle. Une gourde extrêmement bien gaulée, la sœur d'Adriana Carambeu. Rien acheté. Mais arrête! Dans son entreprise, elle s'est envoyée toute la jante masculine. 12, ils sont 12, pas un d'être oublié. Moi, j'admire sa conscience professionnelle. Hein. Elle a dû toucher des primes à l'effort. Mais puis, tant qu'on a assez... Ah, mais non, non, j'ai juste pour personne, hein. Solange, vous êtes chez moi. Ah, mais oui. Oh, excuse, hein. Ma carte bleue vient de se faire avaler par un distributeur. Avaler. Tu peux me dépanner 50 euros? Ouais, patiente. Sympa. Alors, ça se passe comment avec la reine mère? Ouais, bah je la sens pas du tout. Hein. Mais toi, t'as fait forte impression. Hein. Elle est subjuguée. Hein. Elle va absolument sortir en boîte avec toi. Oh putain. Bah, attends, elle sort encore en boîte à son âge? Ah, c'est plutôt le genre à faire la teuf dans les thés dansants. Hein. Sacré vénère. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais voulu être un héros? Bah, je crois que je préfère encore rester chez moi et regarder les chiffres et les lettres. Ah ouais, t'es fort ce jeu-là, toi. Lui? Mais je m'endors plus facilement. Allez, va bosser, Fignon. Promis, je t'arrange un rencard avec un mandalien. Arrête! Tu veux me faire flipper? Vous avez fait forte impression sur Johan, hein? Mais c'est normal, tout le monde le trouve très sympa. Sympa, vous? J'ai dit ça, moi? C'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous avez dû me caler, hein? J'ai pu apprendre des gants, non? Non, non, mais vas-y. Mais lâche-toi, c'est pas un problème. Mais avant, allez. Chin, chin. Hein? Disons, avec la fille de Clémentine, ça dure longtemps entre vous? Ah oui, tout de même. 4 heures? Non, mais je parle de la durée de votre relation. Ouais, moi aussi, ouais. Ah, puis voilà, je commence à avoir la tête qui tourne. C'est pas vrai, hein. Vous réapparaissez, sitôt tout va de travers. Vraiment, j'ai une bricole, lapin. T'as rien à critiquer ici? Ah, rien, mes placards sont vides. Les courses, c'est demain. Et tout doux, sur le champagne, on va en garder un peu pour Johan, il adore ça. Quoi, ton homme de ménage boit chez toi, mais tu le paies en liquide? Ah. Oh, 13 heures, il fout ma tête, j'ai l'impression d'être sonné. Mais comment ça se... Oh, je vois que ta bibliothèque est bien garnie, dites-moi. Oh, ben je ne me souvenais pas. Il y en a pour tous les genres. Hein? Oh, tiens, il y a même un livre sur la médecine. Comment soigner ses rhumatismes? Eh ben, je vous le prête. Vous en aurez besoin avant moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, on ouvre les yeux. Allez, allez, Julien. Allez, est-ce que j'ai rien? Je me sens rétamé dans le coltard. Mais tu te surmènes. C'est pas normal, hein. Tu te surmènes de trop. Moi, je pense qu'il te manque à tes côtés une tendre Zoé pour s'occuper de toi quand ça ne va pas. Oh, mais lâchez-moi la grappe avec votre fille. Tu sais, Zoé a beaucoup de remords. Elle regrette vraiment tout le mal qu'elle t'a fait. Moi, je soupçonne que tu sois encore amoureux d'elle. Bouclez-la, Solange. Mais pourquoi je suis fracassée comme ça, moi? Bon Dieu! Non, ça va aller. Ferme les yeux, tu vas voir. Oh,
Ne lui va pas toujours. Je suis absent. Merci de bien vouloir laisser un message. Allô, mon trésor. C'est maman. Tu t'es absenté? Écoute, il n'y a rien d'urgent, je te rappelle plus tard. Oh, Solange, en réveillez-vous là! Mais lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend là? Si tu savais comme je suis bien. Je suis vraiment détendue. Enfin, ça a été merveilleux. T'es une connerie! Oh l'embrouille, il est 18h30, c'est ma radio. Tu veux participer à une émission de radio? Une radio des poumons. Dégage-toi. Allez, remuez-vous, bougez-vous de là, je suis coincée là. Ah, conseil bouclé là, je suis pas d'humeur, mais certain de pouvoir me maîtriser. Allez, debout là. Oh, je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Pénère dans le canapé, là. C'est dément. Rassurez-moi, il s'est rien passé entre nous, hein. C'est un gag. Tu te souviens vraiment de rien? Vous m'avez fait boire, j'ai eu la tête qui tourne, j'ai dû m'allonger, et après, c'est le vide. Écoute, je vais tout te dire, hein. T'as été phénoménal. Putain, on se fout. On n'a pas couché ensemble, hein? Oh non, c'est pas possible. Faut pas que je picole, faut pas que je picole. Comprends-moi à demi-mot, ménage ma pudeur. Mais tu as tellement insisté. En plus, c'est moi qui ai insisté. Tu étais déchaîné, brutal. Oh, tu m'as offert le plus beau des cadeaux pour mon anniversaire. Ouais, ça va, pas de détails. Ça restera un souvenir inoubliable. Ouais, un vrai traumatisme, oui. Oh, et si j'étais enceinte? Non, mais je plaisante, hein, ça reviendrait de la science-fiction. Je m'en connais plus. J'ai toujours essayé d'avoir une éthique de pensée, mais là, c'est pas moi, ça. C'est un accident de parcours qui ne fait mal à personne. Ah si, à moi, la honte. Mais non. Mais non, puis tu n'étais pas dans ton état normal. Tu as de vraies excuses. Alors tout de même, quel feu d'artifice, toi. Jamais j'aurais cru que l'abus d'alcool pouvait à ce point décupler la vérité d'un homme. Bon, d'habitude, c'est tout le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça? Mais oui, tu vas vouloir recommencer avec moi. Tu vas me harceler. Oh, mais ça va pas, mais vous pétez un câble. Mais j'essaie de te le contracter, lapin. Ouais, mais vous êtes pas doué, hein. Je suis pas votre lapin. Ah, oh, puis j'ai faim. Ah, oh, mais moi, après, quand j'ai fait l'amour, j'ai toujours un petit creux, là. Oh, vous me menez en bateau. Il s'est rien passé entre nous. Vous essayez de me manipuler, et je sais pas encore pourquoi. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai faim, j'ai une petite envie de châtaigne, c'est tout. Oh, ne me tentez pas, là. S'ouvrir. Heureusement que cette histoire ne sortira jamais d'ici. Oh, ben pourquoi? C'est dommage. Mais vous êtes barjot. Vous croyez que j'allais me porter partout de m'être envoyé mon ex-belle-mère? Ce qui reste encore à prouver, hein. Ah, ben ça c'est vrai que un scoop pareil, hein, dans les magazines people ou sur Facebook, hein, ça ferait un vrai scandale, hein. Oh, ta carrière à la télé, hein, tu pourras faire une croix dessus, hein. Je préfère pas y penser. Ça, tu t'en remettrais pas, hein. Je serais fichu, démoli, anéanti. Mais moi? Quoi, vous? Ben oui, moi. J'ai rien à y perdre et tout à y gagner. Hein? Ça doit se payer combien, ce genre de révélation, à ton avis? Le paquet d'emmerdes pour moi, qui pourrait aller jusqu'à une suppression totale d'antenne. Heureusement, je ne me crois pas capable d'une saloperie pareille. Oh ben non, c'est pas du tout mon style. Quoique... Moi, tu comprends, ce tableau, je ne supporterai pas qu'il me passe sous le nez. Vous ne feriez jamais ça, ce serait ignoble. Je vais pour être mort.
Mais comprends-moi aussi, je n'ai pas d'autre solution que toi pour acquérir ce tableau. Alors, tu me l'achètes et je me tais. Vous oubliez une chose importante, Solange. Il n'y a pas de témoin. Personne ne vous croira. On va vous prendre pour une folle. Ah, si je dévoile ma petite vidéo, ça c'est une preuve irréfutable. Ça va jaser sur le nerf. La vidéo? Quelle vidéo? Vous avez filmé quelque chose? Donnez-moi ça tout de suite. Non, tu ne trouves rien dans ce cabas. Elle est bien à l'abri en sécurité. Tu es déçu. Il y avait une toute autre image de moi. Elle était déjà pas brillante. Mais alors là, je suis écœuré. Vous êtes vraiment démoniaque. Il vaut combien, Chagall? Une vraie fortune, je suppose. Je sais pas, la mise à prix n'a pas encore été donnée. Oh, tiens, tu attends quelqu'un? Oh, c'est mon jour, je le sens. Quand je pense qu'avant-hier, la sonnette est en panne. Pourquoi je l'ai fait réparer? Quel con! Je vais m'habiller, je vous laisse ouvrir. Pas un mot sur ce qui nous se passer, hein, où je pourrais devenir très méchant. Nous sommes en affaire, je serais muette comme une trompe. C'est toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu ton message sur mon portable. C'est plutôt moi qui devrais te demander ça. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pour toi, ma zoé, pour t'aider. Mais c'est pas vrai, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. Bon, il est là? Oui. Donc, tu es craquant dans cette robe irrésistible. Ah ben, j'espère l'impressionner. Là. Et je commande, voyons. Alors, au début, ça n'a pas vraiment été ça. Et puis après, Oui, j'imagine, bien sûr. Tu as un talent si rare, maman. Tu as du tact. Je te remercie, ma Zoé. Tu as compris ma démarche. Est-ce que tu veux le reconquérir? Il me fallait argumenter en ta faveur. Alors, moi, tu me connais, hein. Quand je me lance dans une cause très difficile, je me donne tout entière, hein. Ça va pas? Mais j'ai faim. Attends. Allô, le palais de Shanghai. Pourriez-vous nous livrer très rapidement 3 minutes? Numéro 4. Oui. Alors l'adresse suivante, Monsieur Julien Caron, 25 de Montorgueil. Troisième. Allô. Parfait, tout de suite. Bon, mais tu sais pas, attendant, je vais aller chercher une petite bouteille de rosée chez lui. Ah non, tu me laisses pas là toute seule avec Julien. Enfin, il va falloir vous échanger quelques paroles, puisque tu vas partir de zéro avec ton ex. Non mais j'ai trop le trac, là, je suis toute nouée. Mais tu te dénoues. Mais qu'est-ce que tu crains? Quelques paroles blessantes? Eh bien, tu les écoutes et puis tu n'en tiens pas compte. Toutes les femmes savent faire ça. J'étais une garce avec lui. Mais non, t'as été inconsciente. Tout le monde a droit à l'erreur. Allez, tu l'aimes toujours ou pas? Mais si tu savais, encore plus qu'avant. Eh bien alors, courage, mon chéri. Oh, la barbe. Belle maman, vous prenez racine. Alors, c'est Johan, la copain de Julien. Une vraie glu. Je ne sais pas ce qu'il vient pour nous raser, là. Bon alors, Johan, je te présente Zoé, ma fille adorée. Votre fille? C'est vraiment votre fille? Elle vous ressemble pas du tout. Mais désolée, je n'ai pas son acte de naissance sur moi. Enchantée. Ah, salut, et je te voyais très différente. Alors moins, beaucoup moins, mais en même temps, mais plus, beaucoup plus. Il est d'une limpidité, ce garçon. J'ai perdu 11 kilos, j'ai refait toute ma garde-robe et j'ai changé de job. Ah oui, mais tu faisais quoi? J'étais esthéticienne. Et maintenant? Je suis ambassadrice en produits de beauté. La différence? La fiche de paye. Mais bon, mon plus grand rêve, c'est de devenir une actrice reconnue. Attends! T'as pas tourné dans Plus belle la vie? Si, c'est pas vrai, tu m'as reconnu. J'ai eu que 3 jours de tournage. Hein. T'étais sublime. Tu crevais l'écran. Oui, on me voyait que le dos. T'étais sublime quand même. Tu te moques de moi? Je te jure, quand je t'ai regardé, je me suis dit, cette fille, c'est une bombe. Dès qu'ils vont nous la mettre de face, elle va faire un malheur. Oui, mais ils m'ont toujours pas rappelé. Attends, je vais envoyer 300 lettres à la production pour te réclamer. Ça marche que comme ça. Tu vas devenir une star, je te le dis. Tu vas avoir la niaque. Oh, c'est génial. Bon. Je suis complètement accro à ce feuilleton. Je loupe aucun épisode. C'est ma culture. Et je pense, j'ai un cousin qui est directeur de casting. Je
Je lui parlais de toi, on sait jamais. Ah, tu ferais ça? Oh, c'est génial, merci. Je promets rien, mais je vais essayer. Tu venais pour quoi, au juste? Ah, vous pouvez dire à Julien que je rejoins des copains pour un billard à 22h. S'il veut nous rejoindre, ça serait cool. La commission sera faite. Ah, t'es une déesse. On va parler de toi, crois-moi. Tu vas éclater sur tous les écrans. Allez, bye bye, mamie. Mamie? Non, mais c'est n'importe quoi, mais il est grave, hein. Complètement mytho. N'espère pas trop de lui, hein. Eh ben, on verra. Bon, maman, je suis pas sûre de pouvoir réussir à parler à Julien. Mais enfin, mais dès que c'est un malaise. Maintenant, j'essaie de me décontracter, là. Et si je lui plaisais plus? Mais si, je sais pas. Et tu vas aller prendre l'air, et tu vas nous revenir zen, radieuse, et avec une bonne bouteille. Pour la bouteille, d'accord. C'était qui? Oh, c'était Julien qui te proposait d'aller faire un billard avec lui vers 22h30. Où est le tranquille enregistrement? Dans cette pièce, j'en suis persuadé. Un conseil, n'abusez pas trop de ma patience, hein. L'enregistrement, bah je sais. Bon, je dois faire de l'amnésie partielle, moi. Oh, arrêtez votre cirque! Comment pouvez-vous agir de façon si machiavélique? Vous faites l'article de votre fille et vous manœuvrez en même temps pour me soutirer de l'argent. Mais c'est pas incompatible, il ne faut pas mélanger les gens, les situations. Entre Zoé et moi, il y a un véritable océan. Exact, ouais. J'avais même, pendant que je m'habillais, espéré que vous fuiriez à l'anglaise. Hélas! Mais pourquoi? Pourquoi brader les moments heureux? On a même pas le temps de se parler. Oh, je me suis même imaginé, terrassé par le remords, vous jeter sous une voiture pour faire preuve de salubrité publique. La vilaine pensée, lapin, tu n'es guère reconnaissant. Ah, arrêtez de m'appeler lapin. Soyez sincère pour une fois. Je suis le premier ou il y en a eu d'autres qui ont eu envie de vous supprimer? Tu sais, c'est un sentiment trouble, hein, que peu de gens osent exprimer. Est-ce que vous êtes pour moi un véritable fléau, hein? Et aujourd'hui, c'est votre couronnement. Quel bel hommage. Quand on s'amourage d'une femme, on devra en priorité se renseigner sur sa mère. La moitié des mecs renonceraient au mariage. Ah, c'est pour moi. J'ai commandé asiatique. Je déteste la bouffe asiatique. Je savais que je te ferais plaisir. Allez, c'est moi qui rigole, qui régale. Allez. Ouais. Merci. Gardez-vous. Allez, sayonara. Sayonara. Dire au revoir en japonais à l'ivoire chinois, bravo, t'as... Ouais, ben, je ne parle pas chinois, Solange. On dit xian xian. Vous parlez chinois, vous? Ah ben oui, j'ai passé une nuit avec un pékinois. Bon, ma monnaie. Pardon? Ma monnaie, je t'ai donné 100 euros. Il y en a 40 euros, il reste donc 60 euros. Oh, est-ce que je peux être distrait? Je les ai laissés comme pourboire au livreur. Voilà pourquoi il s'est tiré si vite. Mais c'est trop. Bon, les deux fois, ces repas, là, fallait les réchauffer. Mets donc couvert, enculé. Bon. Ouais, oui, je t'en prie. Maman n'est pas là? Elle s'affaire dans la pièce voisine. Je suis sidéré. Elle m'a dit que tu étais à la ramasse à première vue. Elle t'a raconté que Greg m'avait blagué. Et pour une carte vermeille. Il a eu raison. Ça t'a profité. Tu es métamorphosé. Tes kilos en trop se sont volatilisés. Et tu veux que je te dise, ça te réussit super d'aller très mal. Hein. C'est vrai? Tu veux boire quelque chose? Un café. Oh non, surtout pas si tu tiens à rester en vue. Ben, j'ai apporté une bouteille de rosé de Bordeaux. Ah, je bois toujours pas d'alcool. Mais je t'en prie, assis-toi. J'ai souvent pensé à toi ces derniers temps. La façon dont je t'ai quitté, j'étais une vraie gasse, tu as dû en baver. Je suis désolée. Ouais. C'est vrai que tu n'as pris aucun gant, hein. Tu l'avais rencontré où, ton primate, là? Tu te souviens de notre dernier dîner pour la Saint-Valentin? Ouais. Ben, c'était maître d'hôtel. Eh ben, heureusement que je l'ai pas su avant. Notre soirée de la Saint-Valentin serait transformée en la Saint-Barthélemy. Avec Greg, ça a été tout de suite, Mais très vite, il s'est avéré être un bel enfoiré. J'avais envisagé de le plaquer, mais c'est plus rapide que moi.
toi, t'en es où? Moi, je me suis lancé dans une noble cause. Je suis devenu l'abbé Pierre des corps en peine. Je console d'innombrables créatures en manque. Tu ne t'ennuies pas, toi. Au fait, bravo pour ton émission télé. Tu y cartonnes. Tu vois qu'elle a tant barré sur le plan professionnel, tu sembles enfin tombé. Allez, tout roule. Demain matin, je suis en studio dès 8h jusqu'à 22h. Ben, je chauffe pas. Tiens. Ben, je vais pas te déranger davantage. Mais pourquoi es-tu venue? Je devais aller à l'hôpital. T'as des ennuis de santé? Non, je devais dîner avec une copine infirmière, mais elle a mis le dernier moment. Alors j'en ai profité pour faire quelques petits de Noël. Pourquoi tu ris? Non, ta mère te disait à l'agonie, ne pouvant plus mettre un pied dans un grand magasin. Je suis un peu déprimée, oui. J'avais envisagé de lui acheter un petit cadeau d'anniversaire. Oui, bah, si c'est en fonction de ses mérites, un tout petit cadeau suffira. On va pas la changer, mais elle souffre de solitude en ce moment. Ouais, bah, difficile pour elle de trouver preneur. Hein. Sur le marché des calamités publiques, hein, elle a gravi tous les échelons. Hein. Elle est arrivée au sommet. Vous êtes encore disputé? Oh non, au contraire, on a fini dans les bras l'un de l'autre. Bon, ben, j'y vais. Ça va pas, tu n'attends pas ta mère? Si. Enfin, non. Oh, je sais pas. Non, mais je suis toute trouvée de te revoir, ça me perturbe. Et moi aussi, ça me fait quelque chose de te retrouver. Tu n'as jamais été aussi séduisante, t'es devenue une vraie bombe. Une bombe qui vient de se débarrasser d'un père. Ouais, je vous perds complètement. Et ta robe est un véritable chef-d'œuvre. Ouh là 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 là. Calme-toi, les chefs-d'œuvre sont encore mieux des moins. C'est une connerie, ouais. Oh, et ce parfum enivrant, j'ai jamais su résister au maçon. Julien! Je te signale que nous sommes séparés. Pardon, désolé. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Là. Je maîtrise plus rien. Oh, ma grande, tu es là. Tu restes dîner avec nous, ça serait sympa. À trois, comme un bon vieux temps. Ouais, sauf que le bon vieux temps, pour moi, vous ne faisiez pas partie. Je vais chercher pour mettre la table. Quand j'ai entendu sonner, je me suis douté que c'était toi. Alors, comment ça s'est conduit avec toi? Chaud ou froid? Brûlant. Limite touchant. Et sa vie est devenue tellement hyperactive que je crains qu'il y ait de la place pour moi. Quoi? Mais moi je te dis que si. Son cœur bat pour toi, son corps exulte pour toi. J'ai vu son œil lubrique. Fonce, ma gazelle. Ah, mais t'as vraiment raté ta carrière en prometteuse. Hein. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, j'ai travaillé quand même plus de 40 ans dans un aéroport à celle de la déformation professionnelle. Je vois tout le monde t'envoyer en l'air. Allez, Solange, je vous laisse manœuvrer. Vous avez le coup de main. Oh, ben non, mais les coriaces. Bon, allez, donnez à l'homme, femme chétive. Ah, c'est vrai qu'il fait de la résistance, hein. Mais il veut pas venir. C'est de votre faute. Vous lui avez mal parlé, il est contrarié. Mais que croyez-vous? Il y a des bouteilles de vin au mauvais caractère qui ne veulent pas être consommées par n'importe qui. Ah ben tant pis, je marcherai à l'eau. Il n'y a pas de souci. Allez, tiens, on va s'en servir comme objet d'art. Ça vous va bien les yeux brûlés, hein? Ça vous rajeunit. Mais je n'ai pas de problème avec mon âge, hein. D'ailleurs, mes copines Coco et René, elles me le disent souvent, je fais 10 ans moins qu'elles. Forcément, elles sont 10 ans de plus que vous. Mais c'est lui qui m'énerve aussi, là. Oh, moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances. Ah, tiens, à propos, quand vous inscrivez-vous pour une cure? Mais moi, tu te souviens que je parlais toujours de cette cure de thalasso? J'ai jamais pris le temps de la faire. Non, moi, je parlais plutôt d'une cure de désintoxication. Je sens que ça va mal finir entre nous, hein. Tu as l'eau dans le frigo? J'y vais. Alors toi, tu la ramènes plus. Samedi 15h à l'entrée principale de chez Drouot. Hein. Le chaga devrait monter environ 50 000 euros. Ne te fais pas faux bon. Hein. 50 000 euros? Mais vous êtes cinglé. Je ne possède pas cette somme. Mais tu te débrouilles. La situation professionnelle doit te permettre de trouver cette somme très rapidement sans grande difficulté. Mais vous êtes hallucinante. Et encore, je m'économise. Et puis n'oublie pas surtout ton chéquier et de lever la main quand il faut. Sur vous? Sur les enchères, on douille.
creuse. On attaque? Ben, tu réponds pas? Non, je rappellerai plus tard, je vais écouter. Je suis absent, merci de bien vouloir laisser un message. Mon doudou, c'est moi. Je n'aime pas quand on se quitte un peu contrarié comme autrefois. Je voulais te dire que je t'aime comme une dingue et que j'avais à t'apprendre une nouvelle extraordinaire. Je ne résiste plus. Voilà, je suis enceinte, j'attends des jumeaux. Je me calme littéralement. Rappelle-moi vite, mon amour. Bisous partout. C'est qui, bisous partout? Ben, je sais pas. T'es un vrai comique, toi. Tu veux nous faire croire que tu fais des enfants à des gens que tu connais pas? Elle a pas dit son nom. Tu dois bien reconnaître sa voix. Ben, elle était déformée. En tout cas, elle semble très amoureuse et toi, tu te révèles être un beau salaud, hein. Je vous jure, je n'explique pas, là. J'ai dû louper un épisode, là. Ah ben, louper un épisode, je sais pas, mais tu l'as pas loupé, hein. Zoé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester en tête à tête avec ce pervers sexuel. Mais vous, on vous retient pas, hein. Zoé, regarde, l'air qu'elle commence à me gaver. Il s'agit d'un énorme malentendu. Je te jure, je n'explique pas. Ah, mais je ne cherche pas à comprendre. Je constate simplement que l'homme, partout où il passe, il a ses traces. Mais si ça se trouve, depuis 2 ans, il a conçu des bébés partout. Et à raison de... 2 bébés par mois, ça fait 48 enfants. Mais enfin, Zoé ne doit pas rester en tête à tête avec ce type-là qui traîne derrière lui 48 marmots, enfin quand même. Ta mère me prend la tête, Zoé, vraiment. Tiens, mais c'est elle qui rappelle mes réponses, elle pourra te justifier. Je n'ai pas à me justifier ni compte à rendre. Eh bien, je te le donne, j'ai pas le choix. Allons, espèce de garce. C'est vous qui faites des jumeaux dans le dos de ma fille? Hein? Qui êtes-vous? Raccrochez immédiatement. Zoé, ta mère est complètement givrée. Allô? Allô, mon chéri? C'est maman. C'est ma mère, mais comment vous lui parlez, là? Bah quoi, j'ai envoyé le mot garce, ça fait une chance sur deux de me tromper. Elle a pas tourné d'œil pour ça, non plus, non? Allô, madame, je vous passe votre fils, qui a une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Allô, maman? Non, j'ai du monde à la maison. Non, mais promis, je te parle demain matin. Non, c'est Solange, mon ex-belle-mère. Elle faisait une blague. Oui, elle a toujours un grain. Très bien, maman, à demain, je t'embrasse. Eh ben, je me perds la vie, se porte toujours dans son cœur. Elle exprime un sentiment général. Bon, Zoé, on met les voiles. Samedi, 15h. Sans manquer de lapin. Ah, c'est une journée démente, infernale, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Pas dire rien. Ah, en fait, j'ai 30% de réduction chez Jouet Club, si ça t'intéresse. Mmh. 48 enfants. Si elle disait la vérité. Thank you.
plus de plus reproducteur de l'Hexagone. Ah, ça me fait pas marrer. On va devoir ouvrir une internet exprès pour toi. J'espère qu'ils ne nous gueront à ton nom. La France reconnaissante. Oh, mais fais pas chier avec tes conneries. Bon, allez, je blague plus. Une simple question. Pour les jumeaux, t'as déjà réfléchi au prénom? Allez, continue, banane. Je te rectifie la façade, tu te retrouves aux urgences. Et sérieux, t'as vraiment pas connu la voix de ta mignonne? Non, vaguement, Christine, ça peut pas être elle. Pourquoi? Elle est ménopausée. Au retour d'âge, elle te tape on dirait. Ah, tu la verrais. Christine est prof de fitness à l'Orangebleu. Elle a encore un corps sublime. Même avec deux marmots sur les bras, t'es dans une sacrée mélasse. Hein. Je voudrais pas être à ta place. Hein. Il y a là avec toi et ça couche que de bon mot. Pas facile, hein. Et pourtant, avec papa, ça me plairait. Et je crois en plus que je serais excellent dans cet emploi. Cette fille m'a laissé un message il y a 48 heures. Depuis, aucune nouvelle. Pourquoi? Rappelle pas. Sa place, elle doit être débordée. Tout le linge à effectuer. Le lit, les biberons, le linge, les couches, le papier peint. Enfin, je sais pas, moi, tout. Mais arrête, tu me gonfles. Et t'arrives à combien de pompes d'appuyer? 257. 257? Oh la bête! Oh, moi j'en fais 10, je m'écroule. Eh, t'as fait manger beaucoup de menaces dernier mois? Oh, je sais rien, 5 ou 6, 7, 8, 9, 15, 30, j'ai pas compté. T'as fait tout le bottin du 92, quoi. Tu vas pas te parler en termes, cherche. Et en plus, je garde pas des souvenirs impérissables. Dans les soirées, les cocktails bien arrosés. T'en vas facilement, tu vois, et puis t'oublies tes conquêtes tout aussi facilement. Moi, je suis invité nulle part. Mes soirées, mes coups sont généralement des mecs fauchés rencontrés au hasard. La note de Pizza Hut, on la partage toujours en deux. On avait chacun son destin, mais... Moi, je veux dire que je suis au plus bas niveau, et je vais maintenir avec assiduité. Eh ben, t'auras 10 jours meilleurs. Bon, et t'avais un service à me demander, là. Ah, tu m'as dit que t'étais en studio tout l'après-midi, non? Ah non, l'enregistrement est reporté à demain. C'est pas possible! J'attends quelqu'un! Chez moi? Mais tu charries! Un mec? Une nana! Ton ex! Je voulais pas la recevoir là-haut, mais je Et pourquoi tu la vois? Mon cousin a vu des photos d'elle sur internet. Et veut leur passer un casting lundi pour un pilote d'une série télé. Faut que je lui annonce la bonne nouvelle! Mais pourquoi tu fais ça pour elle? Elle est vachement sympa, sensible, jolie! Elle a du talent, elle mérite qu'on l'aide. Mais t'es un vrai samaritain, toi, t'as le cœur sur la main. Bah, j'essaie d'être petit bien, mais je suis souvent sous-estimé. Sous-payé, si tu vois ce que je veux dire. J'ai oublié de te donner tes étrennes. Voilà, chef. Ah, cool. Justement, j'ai envie de m'acheter une nouvelle guitare. Oh, 50 euros. Ah ben, je pourrais déjà me procurer les cordes. Et t'as commencé ton job il y a 2 mois, là. Et tu me parlais de Zoé, là. Je lui ai dit que tu étais absent, parce qu'elle refuse de te voir. Elle m'en veut, normal. J'ai même pas réussi à m'expliquer avec elle. Tu peux pas savoir, quand je l'ai revue, mon palpitant s'est emballé. Je suis toujours mordu pour elle, hein. Elle est trop attachante. Hein. Mais là, on est dans une vraie impasse. Un cul-de-sac. En tout cas, tu peux pas la recevoir chez moi. Hein. Et si tu allais faire un footing? Et justement, je compte faire un peu d'exercice. J'ai donné rencard à Alex. Quoi? C'est qui cet Alex? Tu l'as derrière. 90, 60, 90. Je peux pas rater ça, tu comprends. Mon corps a besoin de s'exprimer assez régulièrement. Tu l'as rencontré où, ta bimbo? Hier soir, l'inauguration d'une boutique de fringues de luxe. Elle m'a littéralement sauté dessus. Il paraît que c'est une vraie info. Ouais, si elle s'agrippe à tout ce qui bouge, vaut mieux que je me tire tout de suite. Ouais, et ben je comptais pas te demander de rester. C'est elle. Oh putain. Oh, un peu de respect, s'il te plaît, là. Bon, allez. Passe par l'escalier de service et puis tu attends Zoé à l'entrée de l'immeuble. On va où nous? Je sais pas, tu l'entraînes dans une brasserie. Hein. Comment tu me trouves? Dégueulasse. Ok, je vais changer. Allez, salut, à plus. Oh,
rentre mon ange, je sais pas fermer la clé, je suis à toi dans un instant. Encore plus longtemps, je sature. Si tu lèves la main sur moi, j'appelle les flics. Ah, si je lève la main sur vous, appelez plutôt le 18. Oh, calme-toi. Oui ou non, as-tu eu une liaison avec cette femme enceinte? Je n'ai aucune liaison. Si une femme était enceinte de mes œuvres, je voudrais bien en avoir la preuve. Pourquoi? Mais je ne savais pas. Ah, tu es stérile, mon pauvre chou. Mais non, je ne suis pas stérile. Oh, mais c'est sûr que si j'avais dû vous fréquenter dans l'intimité, il y a des chances que je le serais devenu. Hein. Oh, le foulet. Moi qui venais pour faire la paix. Hein? Écoute, j'ai bien réfléchi à ta situation. Moi, je pense que tu as affaire à une femme rusée, opportuniste, et qui veut t'attendre pour se faire passer la bague de doigts. Ouais, bah, la vie de couple, j'ai donné. Hein. De toute façon, elle ne donne plus aucune nouvelle. Ouais, mais c'est bizarre. C'est très bizarre tout ça. Ouais. Écoute, je file, hein. Ah, au fait, comme il fait un peu frisqué chez toi, tu vois, j'ai pas voulu me dévêtir davantage. Ah, ouais, ben heureusement. Tu sais quel est ton plus grand défaut? D'avoir trop de qualité. Eh ben, si même un jour vous mettez à faire des compliments. Allez, à tout de suite. Bisous, lapin. Toi, t'es pas au bout de tes surprises. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pas de panique. Je suis simplement curieux de savoir si avec Zoé ça s'est bien passé. On s'est sifflé trois perroquets, pour te dire l'ambiance. Il y avait des têtes de mie en face de toi, je t'ai jamais vu carburer à la menthe à l'eau. Ouais, sauf que là, raconte. Ton ex a appelé mon cousin, tu lui as proposé une session lundi prochain. Elle pourrait bosser pour une sitcom. Elle est sur un nuage. C'est vrai qu'elle m'a prouvé qu'elle est très douée pour jouer la comédie. Ah, la blague. Bon, dis-moi, elle... Et deux mots à mon sujet? On a parlé du présent, pas du passé. Fais pas le malin. Elle t'a quand même dit que de m'avoir revu, ça l'avait touché. Mais non, mais on avait discuté plus important. Sa carrière artistique, son avenir. Elle est partie contrariée, d'accord. Elle veut pas me revoir, ok. Elle était très émue, je l'ai senti. Pour moi, tu es sortie de sa tête. Enfin quoi, elle a quand même pas pris au sérieux cette histoire de bébé. Tu l'as rassuré un peu quand même, non? Pour elle, t'es un mec qui vit sur notre planète. T'es devenu trop fluide, inconstant. Mais tu veux me saper le moral? Je profite de la vie parce qu'elle n'est pas auprès de moi. Tiens, la bimbo, c'est même pas pointé. Je m'en contrefou. Alors tu attends quoi, au juste? Comment ça? Tu attends quoi pour dire à Zoé que tu ne l'as jamais oublié? Que tu veux remettre le père avec elle? Bon, quelle délicatesse, hein. Moi, je peux pas dans l'immédiat, à cause de sa mère. Cette bougresse, là. Tant que j'ai pas réglé un compte avec elle. Oh, raconte! Non, c'est pas racontable. Comme tu veux, c'est pas un problème. On parle d'autre chose.
Tiens, hier soir, je suis allé à mon cours de karaté. J'ai appris une nouvelle prise. Oh, faut que je te montre, hein. Attention, hein. Waouh! Bravo! T'es très doué, là! Oh, mais oh, je débute, je suis pas encore au point! Bon, je me demandais, là, si tu serais avec tact, mais avec beaucoup de tact, de tester Zoé. Même si elle me prend pour un mec instinct, je voudrais vraiment savoir si je me plante pas, si elle est toujours accrochée à moi. Combien tu me paies? Quoi? Je rigole. Quoique. Bon, le tact, pas de problème. C'est inné chez moi. C'est de trouver les mots qui est pas facile. Faut que le bon moment se présente, tu vois. Et t'es plus sa préoccupation première. Je merci, tu es très réconfortant. Zoé est plus à se demander en ce moment si elle va lâcher ou pas la parfumerie. Des comédiennes, il y en a trop. On l'attend pas. Elle dégage un vrai magnétisme, hein. Justement, pendant qu'on discutait au café l'autre jour, un type qui devait pas avoir un rond sur lui n'arrêtait pas de l'observer. C'est un loser, que voulait-il? Au début, je pensais qu'il la matait pour plaisir. Mais pourquoi se rendre au musée et sortir 20 euros pour voir des natures mortes, alors que gratos, il peut aller voir Angelina Jolie au bistrot? Et alors? Soudain, le type s'approchait de nous et il a demandé à Zoé 5 euros pour lui payer le café. Tu vois? Et qu'est-ce que je dois voir? C'est la preuve évidente qu'elle attire les gens, le public. Il a senti en elle une personnalité troublante. Il a surtout senti en elle une bonne poire, oui. Après, mis en confiance, il lui a déclaré la trouver très bandante. Il lui a réclamé son numéro de téléphone. Quoi? On lui a pas donné, j'espère. Si. Enfin, elle lui a communiqué un numéro bidon. Je me demande si c'est pas le tien, d'ailleurs. Hein? Ah, tu me baratines. Mais oui, tu marches pas, tu galopes. Bon, on va pas rester sur un échec, hein. On va faire un numéro de tête. Hey, hé, stop, là. Tu serais capable de m'éborgner, là. T'as peur, hein? Tu balises, hein? Mais des crevettes comme toi, j'en ai aplati quelques-unes en trois mouvements. Hé, hey, tu peux cramer, hein? Tu les mouilles, hein? Ah! Pas qu'il sauve votre bobine, hein. Toi, t'es pas quitte, hein. Je suis ceinture noire de judo, la prochaine fois, c'est moi qui fais les démonstrations. Oh, tu saignes, là. Viens là, je te mets un pansement. Mais saigne, je m'occupe de lui. Je suis le petit-fils de Dracula. Mais non, c'est juste un bon moment. Allez, hein. C'est pas mal, hein. Allô, Zoé, c'est Johan. Je viens de parler avec ton Jules. Tu es sur la bonne voie. Oui, t'inquiète, il craque toujours pour toi. Ah, mais je te raconte pas. Pour lui tirer les confidences, il a fallu que j'ajoute très fine. Hein. Oh là là. Hein, la nana enceinte, ça reste encore une énigme. Oui, je te tiens au courant. Ciao, la star. Ah, mon pote, hein, arrête le karaté. Hein. Fais-toi embaucher chez Pinder, t'as un meilleur avenir. Hein. Bon, je suis à nouveau à la piscine. Ah ouais, bah oublie pas ton GPS, hein. La dernière fois tu t'es retrouvé à la patinoire. Ah, GPS, t'as raison. Surtout que je circule qu'en vélo. À mon retour, je te ramène du pain. Hé, hey, bonne maman. Ah, je vous ai pas remercié d'avoir porté ce coup. Mais de rien, ça m'a fait du bien de me défouler. Quel tempérament. C'est la première fois que je me fais fracasser à coups de sac à main. Voleur. Qu'est-ce qui vous prend? Escroc. Voleur, escroc. Ça me rappelle un souvenir. Ce sont les mêmes mots que vous avez utilisés lorsque je vous ai appris que je souhaitais épouser votre trésor. Rends-moi immédiatement ma petite caméra avec son contenu. Qu'est-ce que vous dites? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu as subtilisé ma caméra, tu l'as remplacée par une similaire avec un vieux film de vacances. Les Cévennes. C'était sympa, non? On vous va donner de bière aux vaches. Une communion totale. Solange, lorsque toutes les deux, vous êtes parties précipitamment, je savais que vous aviez planqué la caméra quelque part chez moi sans avoir pu la récupérer. Elle ne pouvait pas être sur vous et j'avais jeté un œil dans votre cabas. Hier, votre visite ne m'a pas surpris. Il fallait absolument que vous récupériez ce précieux objet. Pendant que je me changeais là, vous avez pu manœuvrer en douce, hein, et récupérer la caméra de substitution. Crapule. C'est tout.
Vous n'avez pas l'impression d'inverser les rôles? C'est la déroute, cher Solange. Échec et mat. Vous n'avez plus qu'à me procurer une copie du Chagall à Dior. Alors, si je comprends bien, tu aimes trop. Oh, c'est plus raisonnable, oui. Mais l'as-tu visionné, ce film? Oh non, aucune envie. J'ai un coffre à la banque. Il va y sommeiller jusqu'à votre décès. À propos, vous avez bloqué une date? Faux, crapule, vermine, c'est un véritable dictionnaire ambulant de synonymes qui flattent. Bah, bien possédé. Hein. Oh, évitez les mots qui fâchent. Non, mais tu comprends, moi, ce tableau, j'en rêvais depuis que je suis toute petite, c'est devenu une véritable obsession. Et là, si près de tout, tout s'écroule. Oh, moi, j'ai besoin d'Armand. Eh, j'ai fait plein de jus de tomate. Du jus de tomate, il va me faire craquer. Solange, là, recrachez tout de suite vos cachets, là. Non, mais elle est complètement vide, mais c'est pas vrai. Et quoi, où est le problème? Non, mais qu'est-ce qui vous arrive, vieille folle? Je te jure, hein. C'est vraiment une catastrophe au quotidien. Essayez de vomir, là. Ah, mais lâche-moi, mais je fais pas, c'est pas marrant. Ah, mais j'ai compris, là, j'appelle le SAMU, là. Mais franchement, ces conneries, on les fait chez soi, hein. Rien, vous ne m'épargnez rien. Me rapproche, mais j'ai pas voulu me supprimer, oh. J'avais besoin de décontractants, de toute façon il n'en restait plus que deux dans le flacon. Bluffé, hein. Mais non, je veux pas mourir, j'en ai aucune envie. J'ai quand même cotisé plus de 40 ans à la sécu, ok, c'est en train d'être le reste. Les autres en profitent, hein. Et puis il y a plus de 60 ans, j'ai sûrement d'autres envies de... Oh, et vous les avez largement, je pense, hein. Insolent, hein, SOS dans le battu, hein, tu veux pas en créer de mouvement? Oh, mais je vois avec bonheur que les cachets agissent rapidement. Un petit jus de tomate, Solange. Tu sais où tu peux te le carrer, ton jus de tomate? Ah, Solange, le sang familial bouillonne dans vos veines. C'est les raisins de la colère. Je suis très énervée. Très. Quoi? Ça va pas? Allongez-vous un instant, là. J'ai les jambes qui font. Ouais. Bah, vous faites un malaise vagal, suite probablement à une chute de tension là. Allongez vos jambes un peu là, pour faciliter la circulation du sang là. Ça vous est déjà arrivé ce genre d'incident? Deux fois. Deux fois, depuis votre âge avancé. Ta gueule. Solange, vous êtes très pâle. Votre problème, vous êtes en permanence sous tension, toujours irrité. Vous voudriez en parler à votre généraliste. Hein. Et à mon humble avis, il y a aussi des personnes que vous devriez éviter de fréquenter. Moi, par exemple. C'est vrai, tes conjoints, ça claque. Ouais, mais on va pas fonctionner dans le même karma. Hein. Je vais vous chercher un verre d'eau. Fermez les yeux avant. On lui adresse trois paroles blessantes et pan, l'air en lame. Oh, c'est dingue! Ah, elle a bougé! Et heureusement, Cornio, elle m'a léché ma laisse. T'es pas à la piscine, toi? Fermé pour 48 heures. Ils l'ont vidé pour nettoyage à sec. Elle est blanche, hein? Impressionnant! On dirait la belle au bois dormant. T'as pas mis tes lentilles de contact? Je ne suis pas sourde. Allez, après, c'est fini. Eh ben alors, vous vous sentez mieux? Oui. Quelle heure est-il? Bah, il est 16h. Ah ben, c'est l'heure de mon rendez-vous et de mon nouveau coiffeur. Vous croyez qu'il peut accomplir un miracle? Est-ce que tu veux l'adresse? Il s'appelle Milou. Milou? Je le connais. C'est le premier mec avec qui je suis sorti. J'étais complètement accro. Tu te rappelles de ton premier amour, toi? Comment l'oublier? J'ai tremblé tout mon corps. Il m'a repris la rougeole. Et vous, Solange, vous avez la mémoire? Oh, moi je me rappelle qu'il avait 40 ans. Enfin, 40 ans plus que moi. Et toi? Moi, c'était plusieurs. Mais comme à l'époque, je fumais des pétards pour jouer à l'homme, ça se trouve, il y en avait qu'une. Il est très très doué, hein. Oh, votre collier, mais il est top. Ah, c'est la classe. J'aime les pierres, surtout les grosses. Allez, il faut que je file. Je suis absent. Merci de bien vouloir laisser un message.
Monsieur, j'ai enfin réussi à obtenir votre numéro de téléphone. Je sais que vous êtes l'amant de ma femme. Si vous ne rompez pas immédiatement avec elle, je me ferai un plaisir de venir vous foutre mon poing dans la gueule. Et voilà. Ça continue. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire à la con ? Belle voix chaude, hein ? Il n'est pas prêteur, le mec. Vous m'avez jeté un mauvais sort depuis le début. Avouez. Il n'y a pas à tergiverser. T'es vraiment un beau fils. Oh, stop ! Je supporterai plus, surtout venant de vous. Ces deux dernières années, je n'ai fréquenté aucune femme mariée. Par principe, d'abord. Et ensuite, parce que je fuis les complications. Bah, la preuve que non. Ou alors, je me suis fait berner. Il faut avouer que pour certaines femmes, le mensonge est un véritable fonds de commerce. Mais il faut avouer aussi que chez certains hommes, l'hypocrisie est une seconde peau. Ben, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Je m'en félicite. Adieu. Mais attendez, mais vous n'allez pas partir fâchée. Mais de quoi je me mêle? Elle n'a pas fini de piquer sa crise, hein. Pourquoi? Milou, c'est le coiffeur le plus nul sur la place de Paris. Elle va sortir de chez lui avec les cheveux comme un paillasson. Ouais, c'est la totale pour toi, hein. Bah, une nana mariée, une nana enceinte. Il manque plus qu'à mon palmarès qu'une plainte du Vatican pour avoir abusé d'une religieuse anglaise. Attends, attends, est-ce que tout ce qui se passe au Vatican est toujours très catholique? Enfin, toi. Non, j'ai réfléchi au cas de ce type qui attendrait un bébé de moi. C'est impossible. Ah bon? Bah, j'ai jamais eu de rapport sexuel sans utiliser un préservatif. T'as pu avoir un incident de parcours? Ah, on s'en rend compte, hein. Non, non. Il y a un petit plaisantin qui s'amuse avec moi et je finirai par savoir qui c'est. Tu fais quoi ce soir? Je fais régime. Je vais grignoter bio chez Cédric. Céleri, carottes, tomates, pétrole. Ah ouais, c'est un prêt, c'est pas un restaurant, je suis pour Cédric. Bon, allez, je t'accompagne. Je vais changer des idées. Je dois te prévenir, c'est un lieu gay. Eh ben super. Les nanas commencent vraiment à me courir. Tu les kiffes plus? Oh, tu serais pas le premier à changer tes habitudes, hein. Eh, tu m'as promis que tu devenais homo, hein. Je suis en tête de liste. Hein. Ah, attends, pour la soirée, je souffle un peu tout court, hein. Moi, arrêter les nanas, faudrait me les briser. Non, simplement dans ton bistrot, je vais pouvoir respirer un peu tranquille, on viendra pas m'emmerder. Ah ça, je te promets pas, hein. Même si j'ai un végétarien, une belle bête comme toi, il peut y avoir des amateurs, hein. J'en ai marre. Président, il faut qu'on en discute, bien entendu. Oh, permettez une seconde, on sonne à la porte. C'est Père Noël qui débarque. Non, il vient chercher son chèque du mois. Entendu, Président, on se rappelle. Merci. C'était le Président de la République? Son sbire, le Président de la chaîne. Quoi? T'avais au téléphone le président de la chaîne du président de la République? Oh. T'as pris ton café en fumant un pétard ce matin, toi? J'ai pas dormi 2 heures, je suis à la ramasse. Le Père Noël s'est épuisé à visiter les conduits de chez lui. On va plutôt dire que j'ai joué au ramoneur. Alors, comment tu me trouves dans cette frusque? Oh.
Mon sexe à pile en prend un grand coup, hein. La tête de Tanguy et Sam, s'il me voyait. Pourquoi? Tu es très sexy dans ton costume rouge. On va se bousculer pour visiter ta hâte. Tu me charries, hein. Le grand magasin m'a convoqué en urgence pour une mission de sauvetage. Leur père Noël s'est pété un tibia, et comme c'est pas mal payé... Et dis-moi, les galeries, vous avez pas l'embarras du choix, c'est ça? T'inquiète, je compte surprendre, je vais assurer. Mais tu t'es vu physiquement, et t'es pas crédible. Et t'es enrobé comme une merguez au bout d'un pic. D'habitude, les prétendants, fréquentés avec insistance, est terrible. Je suis trop garni, puis s'enfiler des litres de bière. Oh, le vieux cliché. Et moi, j'affiche vitalité et jeunisme. Et pour changer les traditions, je ferai uniquement asseoir sur mes genoux les jeunes pères de famille. Eh ben génial, je t'accompagne, mais surtout pas louper le moment où tu te feras embarquer dans le panier à salade. Ah mais je blague. Oh non, en vérité, je rigole pas trop en ce moment. Oh, les temps sont durs, hein. Ma guitare sèche se morfond dans son étude. C'est terrible d'avoir du génie et d'être le seul à en profiter. Ouais. Bah t'oublies ton voisinage, hein. Et puis la pétition qui circule autour, hein. Ah ben je m'en tape, hein. Bon allez, je vais retirer ma panoplie, on transpire comme une bête là-dedans. Et puis je commence le mois à 15h. T'attends du monde pour le déjeuner? Ouais, Zoé, je dois avoir une franche discussion avec elle. Tu peux lui ouvrir, je vais récupérer mon PC là. Pas de problème. Le Père Noël, on ne peut pas faire un pas sans vous rencontrer, hein, dans la rue, les magasins, le métro, la télé, et maintenant chez mon gendre. Ex-gendre, son calvaire est derrière lui. Grossier personnage. Mais cette voix, c'est toi qui est déguisé? Mais je suis pas déguisé, je bosse en costume. Ce que je vous demande, moi, c'est de accupler un bourgeois constipé. Ou alors les apparences sont trompeuses. Non, mais je vais le claquer, hein. Oh, ça y est, vous êtes démasqué. Vous êtes cruel à l'enfer. Le clone de Solange. Ah, tout ça, ça brille. Non, mais t'as vraiment un grain, mon garçon. Dis donc, la vedette du petit écran, là, elle est visible? Elle est là, oui. Je peux vous demander de m'aider à ôter tout ce bazar, là? Oui, une minute. Je crève de chaud là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez? Allez, je suis coincé! Allez, ben j'arrive. Allez, j'étouffe, activé, je manque d'air. Ouais. T'es coincé? Mais oui. Ah, pas de bol, hein. Allez, je t'aide, allez. Allez, mais tire aussi, on a un peu quand même, là. Je suis au lit, hein. Père Noël, c'est un boulot à risque, hein. Bon, allez, salut, je regagne mon lit. J'espère que je ne te fais pas fuir. Vous savez ce qu'elle vient, en plus? Je peux écouter, puis elle embarras les choix. J'ai beau chercher, je trouve pas. Encore vous! Le cauchemar se poursuit. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, là? Vous pouvez pas foutre la paix. Non, mais écoute, je t'ai laissé 3 messages, jamais tu rappelles. Eh ben, je réponds par ordre des priorités. Mais je veux t'annoncer une super nouvelle, ça y est, je l'ai. Votre acceptation pour un 6 jours en soins intensifs? Mon chagrin, il est accroché dans mon salon. Ben, comment avez-vous trouvé l'argent? Vous avez fait un casse? Ah, c'est pas loin. J'ai sollicité un ami banquier. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, c'est un armador. Ouais, ben y en a au moins un sur cette terre. En moins 24 heures, j'avais mon crédit. Hein, 2 jours après, j'allais chez Drouot. Il n'y a pas trop de monde, j'ai eu mon petit Chagall pour un prix très honorable. Vous êtes comblé, hein. Quand je pense à toutes vos manigances... Oui, ben justement. Hein, je vais te faire un aveu. J'ai pas été très cool avec toi. Ouais. Écoutez, moi je veux tout oublier, et puis surtout... Non, chut. Fais-toi, lapin, et écoute. Ma conduite avec toi n'a pas été très sympa. Hein? Je regrette. Mais je regrette vraiment tout ce qui ne s'est pas passé. Et qui était pourtant profondément bouleversé. Pourriez pas vous exprimer plus clairement? Et entre toi et moi, il n'y a jamais eu rien. Jamais rien eu. Ton dernier conduit à bon, c'est ça? Mais non, je t'ai fait boire. Je t'ai mis un somnifère puissant, c'est vrai, dans ton verre. Hein.
tout endormie, je suis allongée, je me suis dévêtue, je me suis blottie contre toi. Puis c'est tout. C'est tout. Alors, ça veut dire que vous et moi, on n'a pas... On n'a pas, non. C'est vrai? Oh, le soulagement! Vous êtes vraiment démoniaque, hein. Oh, je suis tellement heureux que j'ai envie de vous embrasser. C'est trop formidable. Ah, on n'a pas couché ensemble, alors. Tu as raté une belle opportunité. Et la caméra? Eh bien, si tu l'avais visionné, tu aurais vu un reportage sur le zoo de Thoiry. Toute cette comédie, tout ce cinage pour une toile de maître. Eh oui, je sais, je suis folle, mais c'est ce qui fait mon charme. Hein. Alors, tu n'as plus rien à craindre pour ton boulot, les usagers de Facebook n'auront rien à se mettre sur la dent. Tu m'en veux pas trop. Ouais, je sais pas. Votre chance, c'est votre fille. Je vous ménage à cause d'elle. Hein. Mais hélas, je crois que je suis pas au bout de mes peines. Vous allez certainement finir centenaire. Ah oui? Ouais, bah tout là-haut, je crois qu'ils sont terrorisés à l'idée de vous recevoir. Il faut certainement faire durer le plaisir. Ah, c'est drôle. Mais dis donc, tu as des nouvelles de cette fille là qui se prétend enceinte de toi et du monsieur qui veut t'étriper parce que t'as emprunté sa femme sans le lui demander? Ah, et aucune. Mais j'ai mené une enquête et ces deux mystères seront bientôt résolus. Mais fais bien sûr de toi. Exact. Il a raison, Johan, hein. Il est très chouette, votre collier de perles. Bah, il est surtout très bien porté. Ce sont des vrais? Non, mais j'ai une tête à porter du toc. C'est mon ami banquier qui me l'a offert. Et pour tout dire, depuis sa mort, on fusionne. Le pauvre, il est si en manque que ça. Non, mais il me vénère. Depuis 2 mois, tous les lundis, il me fait envoyer des roses. Oui, le lundi, c'est 50% de rabais, c'est ça? Oh, pas mesquin. Ah! Ah, j'ai vu passer une souris blanche! Mais c'est Janine! Elle est apprivoisée! Ah non, mais c'est horrible! Ah non, moi je tétanise! Ah non, il faut que je file là! Mon sac? Allô? Ah, salut Simon. Alors, t'as du nouveau? Cet homme avait mon numéro il y a 2 mois. Bah, d'habitude, il ne redistribue pas si vite, hein. C'est une erreur. Ouais, ben bah, merci du cadeau empoisonné, hein. Le problème, c'est que ce type semble être un drôle de moustique, un sacré cavaleur. Hein. Ouais, ok, bah, je te remercie. Merci pour ton appel, à bientôt. Hein. Puis embrasse tendrement Pauline. Hein. Oh, oh putain, elle vient de le larguer. T'étais passé où, toi? Me changer. C'est pas vrai, mon délire? Ah ouais, mais pas une balle dans la tête, hein, malheureusement. Hein. Ouais, j'ai cru que c'était là qu'elle allait me bouffer. Elle déménage, hein. Ouais, mais bah, à 5000 km si elle veut, on la retiendra pas. Hein. Remarque. Elle va peut-être finir par se calmer depuis qu'elle a rencontré son boyfriend. Un curé? Un curé? Pourquoi c'est... un curé? C'est le premier à pratiquer la charité. Pas le sexe. Ouais. Voilà Zoé. Tu veux que je dégage? Comme tu veux. Oh ben, je reste. J'aime bien assister aux scènes de ménage chez les ex. On enrichit son vocabulaire. Hey! Bonjour. Salut. Des roses. Les appliquer à ta mère. Pardon? Non, rien. Vas-y, je t'en prie. Hein. Salut, ma jolie. Oh, tu es très classe dans ce taille en bois. Je l'avais acheté pour l'enterrement de ma grand-mère, tu te souviens? Ouais. On se demandait même si l'assistance suivait le convoi ou bien toi. Attention, je porte qu'il faut des grandes occasions. Ah, petit déjeuner est une grande occasion. Sympa. Je voulais plutôt parler du rendez-vous que j'ai à 17h avec un producteur. De fruits et légumes? Un producteur de téléfilms. J'ai réussi à décrocher un rôle dans une série. Et c'est grâce à Yoann. Merci mon yo-yo. Oh, mais c'est toi, tata yo-yo. Mais c'est Jimmy, ça. C'est malin, ça. Mais tu t'avoues même pas de me faire jaloux d'un garçon qui n'a pas d'amis, pas de famille et pas de chien. Oh, lui, pas de famille? Il est d'une couvée de sainte moutarde. Mais oui. Enfin, non, je le vois pratiquement jamais. Ils habitent le marais pour Eh ouais, et puis
il a préféré s'exporter dans le marais tout court. Ah, t'as la patate, toi, hein. Bon, allez, je vais manger une bricole et après, au turban. Romy, dès que j'ai signé, je t'appelle et je te paye la recette. Allez, ciao les petits cœurs. Je vais tremper les roses. J'ai réservé une table chez Marion. Chez Marion. Mais t'es fou. T'as oublié notre dernier dîner, comment il s'est terminé? On s'est payé une intoxication alimentaire. Non mais franchement, t'as pas pu oublier. Ouais, et ben j'ai même regretté de ne pas avoir ramené les restes dans des barquettes pour les offrir à ta mère. Chez Marion, t'y tiens vraiment? Oh, oublie-toi bien une seconde chance. Et ça gâche quoi? 20% de rabais sur la note. Satisfaite? Ah oui, j'avais oublié le pain que tu as. Toi, tu les lâches plutôt avec les élastiques. Le pingre, moi? J'étais obligé de te brider. On n'est pas sur l'heure. Puis si je t'avais écouté, tu te serais acheté une robe neuve tous les jours. Eh ben, c'était pour mieux te plaire. Bah écoute, moi et mon banquier, on n'en demandait pas tant. Hein. Allez, si tu préfères, je t'emmène à la tour d'argent. Ça me fait plaisir. C'est fou, c'est le coup de bambou. Tu payes ma surface? Mais bien sûr. Mais tu sais, depuis que tu es parti, mes finances se portent beaucoup mieux. D'ailleurs, mon banquier ne se manifeste plus. Pourquoi tu veux me gâter comme ça? Allez, on s'est fait la gueule pendant 2 ans et demi, ça suffit. Je me trompe ou tu es encore un petit peu attaché à moi? Allez, tu peux prendre un joker. Non, réponds franchement, c'est important pour moi. Écoute, on se rend au restaurant et je passe à table. D'accord. J'ai l'impression d'être un pylône auquel on s'accroche. Oh ma souris. Tu sais que même un eunuque avec toi retrouvera toute sa vigueur. Ah t'inquiète, j'ai vu regarder la cuisine là. Elle a plus la crainte de toi que toi d'elle. Oh non, bouge pas. Arrête, tu peux aller ouvrir, j'ai un bon karma aujourd'hui. Si c'est ta mère. Avec 4 chances sur 5. Oh non. Oh, je te jure. Merci madame de Souza, on va se débrouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé sur une plaque de verglas en bas. J'étais descendu acheter du jambon et j'ai trouvé un vachif contre un mur. Maman, tu souffres pas trop? Non, une vraie loque, je t'en foutrais moi. Non, ça va ma chérie. Mais alors quelle chute, hein? De neige. Mais sur le trottoir, mais suis un peu. Rien de cassé? Non, je crois pas. Non, elle est sauve. Allongez-vous sur le canapé, je vais aller appeler SOS médecin. Attends, je vais examiner son pied et cerner la blessure. Tricoter les extrémités. Je vous rassure, j'ai un mauvais spécialiste. C'est Johan, Solange. Il est très très doué et en général, il fait rarement souffrir les femmes. Un suppliant de. Bon, vous permettez? Ah, mais vous chaussez au moins du 45! 35, idiot! Le même chiffre pour une adolescence! Je sens qu'il va y avoir 2 handicapés dans cette pièce. Détendez-vous, mamie! Mamie, mais il m'énerve! Bon, chut! Et si j'appuie à cet endroit précis, là, est-ce que vous ressentez quelque chose? Aïe! Oh, d'accord! Oh, je vois très bien! Aïe, aïe, aïe! Quoi, aïe, aïe, tu vas me faire peur? Pour être honnête avec vous, j'ai bien peur qu'il vaille vous amputer! Zoé, enlève-moi ce guignol de ma vue, là, je vais les triper. Bon, dis, tu voudrais pas rester avec elle ce soir? Julien et moi, on doit sortir. Je peux pas, j'ai besoin de quelques minutes. Alors voilà, bien fait pas de santé, tous mes proches qui se battent. On m'abandonne, on me jette. Si, si, Solange, plus personne ne vous supporte. Vous êtes un poison, une calamité, une emmerdeuse top niveau, là. Votre fille même, je l'aime toujours, vous recommencez. Et ça sera sans vous. Il y a des paroles qui dorment, je te sens déjà mieux. Voilà, on vous passe un peu de pommade et tout de suite. Merci pour ton aide, Zoé. Marie, t'as jamais été facile. Julien souhaite se prémunir, ça se comprend. Mais je me sens comme une pestiférée. Ouais,
C'est vrai qu'il y a du choléra en vous, hein. Zoé et moi tentons un rapprochement. Il est donc hors de question que je vous fréquente. Sauf s'il plaît à Dieu que vous deveniez muette ou coincée sur une chaise roulante. Hein. Et au moindre écart de conduite, de langage, je desserre le frein à main. Salaud! Solange, j'ai passé l'âge qu'on me gonfle les amygdales. Allez, adieu, sans regret. Toi, tu me parles plus jamais de lui, hein. Allô? Allô? C'est moi? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Je ne vais pas bien du tout. Tu vois, c'est cette fille qui attend des jumeaux. Tu l'as oubliée, celle-là. Solange, vous la mettez en veilleuse, je règle le problème. Allô? Non, écoutez-moi. Je ne suis pas votre petite amie. Non, je ne peux absolument pas vous renseigner sur ce sujet. J'ai récupéré sa ligne. Il a annulé son abonnement. Eh ben, je vous en prie. Au revoir, madame. Et voilà, et chiale. Bravo. Toi, quand même, plus la réconforter, cette pauvre petite, hein. Bon, maman, stop. Je parle autrement, Julien. Écoute, toute ta vie, tu n'as pas été un modèle à suivre sur ton plan relationnel. Alors maintenant, tu nous fiches la paix. Bon. Ton bonheur avant tout. Ne t'inquiète pas, je saurai me sacrifier. Oui. Bon, mais. Julien, je te pardonne tes emportements, hein, tes paroles blessantes que tu ne pensais pas. Mais si. Non. Puis comme la rancune est un horrible défaut, je vous propose de passer ici le 24 décembre. Ensemble. De toute façon, j'étais pas invitée ailleurs. Bye bye, les poussins. Regarde-moi ce grand ahuri, il est plié en deux. Moi, m'éclate la Solange. Eh ben justement, Solange, Zoé et moi, on va s'éclipser pour le réveillon. Et on va enfiler la réunion pour la soirée. Sacré vénère. Ben, tu rigoles plus? Tu veux me gâcher la journée, là? Sérieux? Tu comprends?
Solange quitte pas une maison de repos pour venir récupérer ici une maladie nosocomiale. N'importe quoi. Tu déconnes pas. Putain, mais ces fumiers nous avaient garanti qu'il a gardé 6 mois au frais minimum. Elle est restée enfermée 4 mois complets, hein. C'est déjà pas mal. Ouais, tu parles, ouais, c'est la cata. Et moi, je vais te dire, elle arrive à point. Zoé et toi avez besoin qu'on vous bouscule. Ah, vous devenez gluant de bonheur, ouais. C'est l'horreur. Pauvre gland. Toujours à vous rouler des pelles, là. Échanger vos microbes, à Berk. Si t'arrêtais de te la péter un peu, là. Ouais, Solange libérée. Franchement, avec ce qu'elle a fait. Elle aurait dû être internée à vie. Elle a quand même, nouvel an, dans un grand restaurant, essayé d'étrangler son ami banquier. Elle avait picolé à mort, hein. Elle a passé un coup de bigot. Elle s'est invitée à déjeuner. Tu as le temps de préparer quelque chose? Je vais tout manger de la blanquette de veau. Et tu devrais mettre un petit coup d'herbic, là. Qu'un jour elle va disparaître. Ouais, écoute, elle a quand même essayé de buter avec. Hein. C'était un accident. Elle avait un peu trop bu. Son bonhomme lui a dit un mot de travers. Elle lui a sauté dessus. Ça arrive, hein. Ouais, mais seulement moi, quand toi tu me sautes dessus, c'est pour une bonne raison. On n'a plus de blanquette de veau. Soit vous l'avez dévoré en douce, ou alors elle s'est tirée quand elle a eu votre tronche. Eh bien écoute, on se contentera de se décacher. Hein. Puis pour Solange, il faut la gâter comme elle le mérite. Hein. Tu vas à la déchetterie, tu récupères un plat varié. Mais tu m'agaces aujourd'hui. Bon, il y a des œufs frais dans le poche et une omelette. Vous voulez quoi en accompagnement? Ah bah des champignons, bah, des sels pour nous, et des doigts sataniques pour ta mère. C'est insupportable. Bon, je m'éclipse. Oh, oh, c'est cruel à l'enfer. Ah, oh, c'est petit peu. Ah, ok, Johan, ok. Vous faites quoi? Vous allez monter. Elle n'a même pas chuté dans l'escalier. Mazo et chérie, enfin je te retrouve. Comment te sens-tu? Pas trop déprimée? Non. Toi, dans cette maison de repos, là, j'ai pris de bonnes résolutions. Premièrement, je ne touche plus un verre de vin. Oh, elle est cuite, c'est cuit. Terminé. Je suis devenue sobre comme un chameau. Ouais, ben pour le chameau, on vérifiera très vite. Et je veux me rendre utile aux autres. Elle était sortie depuis longtemps? Depuis quelques jours. Mais j'ai voulu mettre de l'ordre dans mes affaires. Pour commencer, j'ai liquidé mon appartement. Oh, mais c'est une folie. Non. C'est bizarre, ce muguet, il sent la lavande. Tu peux me dire où tu comptes dans le futur? Je n'ai plus d'amis, ils m'ont tous abandonné, alors je n'ai plus que vous. Alors, j'ai loué une petite location, tu de pièces, hein, juste en face, là, à votre nom, bien sûr. Comment ça, à votre nom, bien sûr? Je n'ai plus un sou, puisque je l'ai légué toute ma fortune à la salle de Fassou Arda. Mais t'as pas fait ça? Je savais que tu m'approuverais. Elle est encore plus barrée qu'avant son séjour. Alors si je comprends bien, on va devoir régler votre loyer. Mais je n'ai pas le choix. Et vous n'êtes pas sans ignorer cette loi qui oblige les enfants devenus adultes à venir en aide à leurs parents en situation précaire. Un Courtin, vite un Courtin. T'as pas perdu du poids? 4 kilos. C'est parce qu'elle a retiré son collier. Bon, je vais chercher le couvert. Hein. Tu me cueilles complètement dans toutes tes questions, maman. Donc tu veux voir quelque chose? Une montagne? On a du jus de fruits frais, fais maison si tu préfères. Oh, mais ce sera parfait, ma chérie. Si je
comprends bien, vous êtes complètement métamorphosé. Un vrai miracle. Je te confirme, lapin. Arrêtez de m'appeler lapin. Mais pourquoi es-tu si sceptique? De mon balcon, je vais pouvoir vous faire coucou. Je veux venir régulièrement vous voir. Nous allons passer de super moments ensemble. On pourrait respirer un peu quand même. Mal. Très mal. Tu sais, Julien, tu as toujours été mon ennemi. À la seconde où je t'ai vu, je t'ai haï. Tu as réussi à voler ma fille unique, idolâtrée. Et ça, je ne te l'ai jamais pardonné à sa nom. Jamais. Alors, elle t'a quitté, j'ai respiré un petit peu, puis cette petite cervelée s'est rendue compte qu'elle t'aimait toujours. Ah, pas de bol, mon gars. Tu vas en baver encore davantage. Zoé, elle est à moi. Tu m'entends, elle est à moi. La guerre est déclarée. Vous savez, Solange, quand vous êtes aussi sympathique en la culant, vous offrir des fleurs en couronne. Ta vie va être un enfer. Et la vôtre mortelle. Moi aussi, je peux me montrer particulièrement machiavélique. Je sens qu'on va bien s'amuser. De mon côté, c'est sûr. Ce cocktail, je le prépare moi-même. Et vous allez voir, il achève. Tu as un peu de robe, mais quand même. Et moi, j'ai connu une nana hein, qui est partie d'un bon robe. Chaud l'ambiance. Allez, à nos retrouvailles. Et surtout, Solange, à votre bonne, bonne santé. Je me sens pas très bien. Chérie, appelle les SAMU, le pompier. Curé.